Démission, arrestation Ariel Henry, pressé, mesdames et messieurs, dans tête pays, comme premier ministre de facto. Eh bien, lui-même qui a le pouvoir, ça a tapoussé, on est qui a l'élection, qui a été élu premier ministre. Eh bien, mesdames et messieurs, gagné en pile de démarches qui a fait dans le pays là. Bon côté divers gros avocats de carrière qui en pile monde connaît et ben qui ont même mené en lutte là pour faire marrer Ariel Henry pressé avant monsieur fini avec pays ça sous gouvernement Ariel là gang yo vinn pi sou moun gang yo pi à l'aise gang yo fait plus crime yo fait plus kidnapping parce que autant que insécurité à lui-même là c'est autant que Ariel lui-même l'a prêté dans tête pays là parce que élection pas ka organiser. Eh bien là, en pile gros avocat met tête yo ensemble mesdames et messieurs pour écrit pays Kenya et pour mande yo camper bien loin avec décision ça y a prend pour voyer militaire yo en Haïti. Parce que si militaire ça vient en Haïti, yo mouri. Mais pays Kenya mesdames et messieurs pap ka et donc il dit un parce que nèg yo ap antre vin nan sécurison on premier ministre qui pas premier ministre encore que population pa reconnaître li comme rien nan pays ça. Et bien pral fort en déclaration choc Pierre Espérance mesdames et messieurs qui lui même répond Léon Charles qui c'est ex DGPNH là qui impliqué juste nan langue nan assassinat Jovenel Moïse. Pierre Espérance tout yon a pas kize l'autre nan dossier ça, franchement personne poko konnen. Et ben qui est pour nous quoi Pierre Espérance accusé Léon Charles, Léon Charles accusé Pierre Espérance comme si tout nèg sa yo c'est des nèg qui étaient dans complot ça. Ça veut dire complot assassinat Jovenel là, c'est un complot qui était composé de un paquet de moun. Franchement mesdames et messieurs, sont l'armée moun qui ont même mettent tête ensemble pour retirer l'avion seul grain ti nèg noue tête grain. Et bien je dis à mais à qui ça nèg réduit pays a? Nèg fin touyer Jovenel soi-disant pays a t'es bloqué, il va le débloquer après la mort Jovenel. Et bien bagay yo vin pi mal parce que n'ayo te besoin savane, n'ayo te besoin pour payer te comme ça même pour capable continuer faire l'argent, pour capable continuer mesdames et messieurs, et bien faire complot, faire magouille, voler, assassiner moun dans pays là. Nous va éviter tant de détails qui gagne dans vidéo ça, n'a pas tourné. Pour défendre moun, nous va répondre question que premièrement, est-ce que et docteur Ariel Henry, premier ministre de facto, est-ce qu'il a pouvoir, est-ce qu'il a droit à qualité pour engager pays pour le signer? Et deuxièmement, qui action légale que pour déploiement en force internationale ou multinationale dans pays? Deuxième question, est-ce que qui action légale que politique a fait contre ça? Okay. Yeah, contre, pour empêcher ça. OK. Donc on a dit pas dire auditoire matin débat. Docteur Ariel Henry, premier ministre de facto, pas gain ni droit ni qualité pour lui engager pays. Et en plus, moun qui te ka engager pays avec aval parlement, c'est le président de la République. Et c'est avec aval parlement. Tendez oui. Parce que yon premier ministre li pa gain qualité pour aller mander une force étrangère pour rentrer dans le pays. Et même le président, par exemple, si vous regardez l'article 139 et 139 Constitution, vous comprenez bien, oui? Parce que pour une force rentrer dans le pays, son convention, un accord, il est traité pour signer. Très bien. On comprend. Faut signer un accord, un traité ou une convention pour une force venir là. Et moun ki ka signer négocier accord traité yo, c'est le président de la République. Claire. Et pour le président de la République là, l'elfin négocier ou signer yo, faut li voye li devant l'Assemblée nationale. OK, alors, juste une minute, maître Kalebe, et ça dit tellement vrai et pas Kenya lui-même. Malgré que les Nations Unies approuvé pour force à venir en Haïti, ça qu'il a fait lui-même. Il est obligé d'aller dans le Parlement. Il est obligé d'aller dans la Cour suprême. Parce que le président, pour côté, pas qu'il engagé. Voilà. Et qu'il y a là, M. Lugo, M. Zahir Zahir, 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 M.
c'est pas même aux chambres des députés, c'est l'Assemblée, à vous dire. Yeah. L'on parle de l'Assemblée nationale, c'est la Chambre des députés et le Sénat. Le Sénat, bien. Quand il y a là, pour yoté ratifier l'issue ou elle ratifier et pour retourner lui par le président, et le ça, le président lui-même, il tape qu'à promulguer, et le ça. Très bien. Pour yoté regarder. À vous dire, est-ce qu'il y a trait avec M. Ariel Henry, premier ministre de facto, qui aujourd'hui dit que les sorties libérales signent pour force multinationale ou force étrangère viennent signer là, moi de qui ça va signer? À qui pouvoir et qui est-ce qui va le droit ça? Est-ce que c'est constitution haïtienne qui compte le pouvoir ça? Les dit va signer. Nous-mêmes, nous connaissons clairement que et quel que soit monde, quel que soit pays, quel que soit organisation internationale qui connaît que yo sié avec yon moun qui pa gen qualité pour vin là pour vin faire ça yo peut-être yon envie faire là li clair quel que soit moun qui victime ah nous pas pral d'accord sur moun victime là pour nèg pral di nous c'est Haïti qui te sié nous pral mande qui est-ce qui te sié en Haïti qui qualité moun ça parce que pour introduire une action selon la loi faut gen droit qualité et intérêt c'est clair quel que soit ça va faire faut gen droit le droit c'est constitution est-ce que constitution ba monsieur droit pour faire ça non est-ce qu'elle gen qualité très bien oui nous monsieur Louko Esaïe et député Pemate quel que soit ça va faire gen droit à gen trois bagages qui doit rentrer en ligne 1 droit 2 qualité 3 intérêt est-ce que droit permettre que le premier ministre de facto Ariel Henry al signer un accord avec soldat dit pour yon force étrangère vin là n'a dit non même en sa qualité de premier ministre de facto qui pas gain ni droit li pas gain droit ça qui est qui te ka gain droit ça pas même président pas ka gain président te ka négocier signer et faut qu'il t'avoue le parlement ça veut dire qualité est-ce que ouais li pa gen droit premièrement est-ce que gen qualité non pa gen qualité mes amis la loi pa bal droit ça article 139 constitution pa bal droit ça OK qualité qui ça Ariel Henry Ariel Henry son nèg qui pa qui son premier ministre de facto pourtant tout monde connaît pour un premier ministre qui procédure légal il a constitution dit pour premier ministre eh bien Ariel Henry pa jamais rempli les conditions pour ta premier ministre. Et ça grave là encore. Monsieur Louko Désir, Esaïe César, député de Maté Tatout, auditoire Maté Débat. Monsieur a équipe li. Yo bay tête yo mandat. Ça grave. Yo bay tête yo mandat et pas moun qui te bayol parce que yo te illégal. Yo estime yo wont, ba konn ki ça ou te peur, yo te wont, yo bay tête yo mandat. Suivant un accord dans des relais, accord 21 décembre, etc. Et actuellement, ça va être tête chaud. Il pas seulement bah, il y a écrit, il y a publié, dans le promulgué dans le langage juridique, dans le journal officiel PIA qui s'est monétaire. À vous dire, il a dit que mandat, il a dit mandat a fini 7 février 2024. Comprenez bien, oui. Mandat ou ba et tête, ou yon vin, yon ta dit que, ok, puisque c'est nous-mêmes, nous, ces dictateurs, nous publions dans le journal officiel là, pour tout le monde connaît que, ali officiellement, nous défons coup d'État, nous font bagarre, nous ba et tête, non, mandat, mais qui est la fin. Eh bien, 7 février 2024, rivé, monsieur a pas remettre pouvoir. Là, non seulement t'es illégal, li vin ba et tête, le mandat, li pas respecté mandat, li illégal, net, li illégitime, illégal, sous li. Et comme si même ça lui-même lui dit l'a fait, même ça lui-même lui bail tête comme mandat, il va respecter. Ça veut dire, il n'a pas de qualité, il n'a pas de droit. Intérêt, mes amis, qui intérêt Ariel Henry gagne pour l'État, dit que le bral signé et pour force étrangère. Ariel Henry, c'est un homme qui est illégitime en Haïti. C'est un homme qui soit fait un micro-trottoir là. Ou ta mande sou 100 moun, combien moun ki vle Ariel Henry rete sou 1000 moun? Sou 1000 moun pa kwa jwenn yon moun ki di ke yo vle Ariel Henry rete la. Li illégitime, li illégal. Ça veut dire
Ariel Henry pa gen droit. Li pa gen droit pou la siye anyen nan nou pèp ayisyen, anyen nan nou peyi a. Sa se pou pwemye kesyon li klèr e atik 139 la li klèr. Dezyèm kesyon, ki aksyon legal ke nou ka fè kont Ariel Henry. Eh bien, nou menm la, fòm klèr avèk ou, nou ap travay sou yon vreman yon sitasyon direk ou koreksyonèl kont Ariel Henry avèk lòt menm gouvernement. Se, ok, se pa, e pa san rezon ke ou wè nou deja e komplet nou pote nan ba ou, nou wè nan ba ou petit kwa kap rive trè bientou la, kont minis justice de facto a, pou ke minis justice lan e de facto a ou konen lòdzèman dekret 29 mars 1979 sou apel penal la, li ekuse dekret 29 mars 1979 ki rejou profesyon avokat, li klèr. Il dit que les avocats qui en cause faut qu'on peut plainte pour lui dans barre d'attachement. Nous-mêmes comme avocats, nous faisons le devoir, nous écrit plainte là, nous voyer un monde pour déposer dans barre petit quoi parce que madame Emily Prophète Milsé, c'est une monde qui violer tout ça qui est comme éthique déontologie et la loi. Nous voyer pour elle et nous prendre faire action au correctionnel. Tu vas dire plainte non parce que on va parler de plainte cabala ca 20 ans. Nous prenons action on citation direct au correctionnel nous pral faire rapide contre Ariel Henry et tout l'autre membre gouvernement pour usurpation de titre et de fonction. Ah, immédiatement nous faire action pour usurpation de titre et de fonction, hein, ça veut dire citer n'a citer directement au correctionnel. Et là ça pral gagner un juge à quoi le citer pour ba de les 3 jours francs qui est égal à 5 jours de ça enrôler pour distribuer devant juge qui pral statuer dans délai de 5 jours hein, OK pour distribuer pour juge la statuer sous vraiment infraction ça qui c'est usurpation de titre et de fonction que nous va faire contre Ariel Henry et tout l'autre membre gouvernement lien et louko ça c'est action que nous pas mais pas oublier tout. Nous t'ai qu'a dit que Ariel Henry ça le fait crime de haute trahison. Mais pour parler de crime de haute trahison, comprenez bien ça m'bral dire. Donc son monde vraiment qui était légalement élu et ou bien légalement élu ou bien qui était vraiment un premier ministre vraiment. Laisse ça s'il était premier ministre, c'était qu'a pour action pour crime de haute trahison contre pour lui et c'était mais dans phase nous là nous-mêmes comme avocat nous-mêmes qui connaît que monsieur a li pa gen ni droit ni qualité nous-mêmes qui connaît si n'a fait action ça pour nous porter plainte pour n'a faire action pour crime de trahison c'est comme si son monde nous baillon qualité comprends ça me dit là bien ngobon a veut dire si n'a faire action pour crime de trahison comme si nous baillon qualité c'est comme si nous reconnaître que oui. C'est premier ministre bien c'est sûr. Comme si que nous reconnaître que monsieur qui violait la constitution soit mon qui premier ministre puisque c'est premier ministre et le premier ministre et ou le président ou whatever non ou faut ou qu'a fait action bien yon monde qui on haut fonctionnaire qu'a fait action si chaque constitution de ça pour crime de trahison mais puisque monsieur pas gain ni droit ni qualité eh bien nous-mêmes nous allons faire action vraiment et dans le tribunal correctionnel pour monsieur A pour usurpation de titre et de fonction genre que la loi mandé ça mais en attendant tout nous allons écrire et des nous allons écrire par nous allons faire correspondance dans l'ambassade Kenya pour nous faire comprendre que pour alerter au que quel que soit soldat kenyan qui t'a vu là qui t'a tué un haïtien illégalement injustement il a gagné pour répondre avec ça devant tribunal pénal international parce que le pays parce que moun yo di aussi un aklia li pa de qualité li pa de droit pour le mener moun là vin faire crime et quel que soit crime yo t'a fait là OK yo même il a gagné pour yo directement responsable parce que à moun yo si un son moun qui pa gen ni droit ni qualité c'est sur ça notre travail merci et moi c'est louko ou suivre nous même nous t'ai vraiment faire des propositions parce que Ariel Henry connaît bien qui ça pour le faire pour pas gon coup d'âme tirer dans pays là comme premier de facto parce que c'est eux même qui gagnent le pays là
et tout ce qu'on fait en démagogie pour qu'on arrête sous pouvoir et au sein de la qualité. Merci un peu, Loukou. Merci un peu. Pour dire, à continuer, protéger, bénir, parce que vous-même, tous les messieurs et César, vous-même, tous les anciens députés, parce que pour travailler, nous faisons pour payer ça. Là, moi, je connais, nous ne parlons nous. Nous ne parlons nous, nous ne parlons nous. Parce que sur avant pile, mais on joue. Comme on dit, droit de réponse, et c'est sa métier à mander, même espace-là, non décité à plusieurs reprises. Donc, on a droit à la parole pour faire valoir opposition. Et c'est ça que nous allons laisser faire là dans l'émission matin. Bonjour, merci Pierre Espérance. Bonjour Wendel, bonjour tout auditeur et téléspectateur et Radio Télé Métropole. Et nous là pour nous faire un petit parler sur enquête qui débouchait sur enquête qui débouchait sur l'ordonnance qui rend semaine passée sur assassinat Jovenel Moïse et en même temps tout pour nous parler sur déclaration et interview que ancien directeur général la police là qui c'est un monde qui est impliqué jusqu'au cou dans assassinat Jovenel Moïse depuis Petit Bois et dans mois janvier février 2021 pour arriver 6-7 juillet 2021. Nous-mêmes, nous avons dit, et tout ça nous connaît, depuis les enquêtes-là, et commencer jusqu'à ce que le juge-là rende ordonnance. OK. Même tout souligné là, qu'on dit impliqué jusqu'au cou. Oui. OK. Et des précisions et précision. Et sous point par exemple et Petit Bois et nous songeons ça qui passé et Petit Bois et les et 6 et février 7 février 2021 dans nuit 6 pour 7 février 2021 gagné et la police qui sorti dans palais national IGPN avec le commissaire gouvernement Croix des Bouquets et puis et DCPJ qui débarquait, ils ont été joints dans cet espace-là. Et puis après ça, ils ont arrêté, ils ont mené dans DCPJ. Mais et Petit Bois, il a commencé depuis plusieurs mois. Côté que son espace, que les gens ont réuni, son prétexte, son soi-disant, un certain Whitman qui a travaillé dans la Maison Blanche, et dans NSI, et qui et discuter avec une série de monde pour une transition qui fait et monde qui ont discuté avec eux, ils ont été venus en contact et quand même ils ont été contacté et Dimitri Rira, mais ça c'est des bails qui sorti dans la presse et même voice même échange Dimitri Rira a gagné avec un inspecteur général et dans la police là qui était arrêté tout et dans Petit Bois et ils étaient dans la rue mais pour ça qui concernait et Léon Charles t'a participé régulièrement dans réunion avec Mario Beauvoir, il était même dormi dans l'espace là. Il était dormi dans l'espace là et c'est Léon Charles qui fait et Mario Beauvoir et pas quitter l'espace là jour et 6 juillet et 6 janvier et 6 février pour ne pas arrêter. Ouais. Donc c'est Léon Charles qui fait Mario Beauvoir sauver. Oui, c'est lui qui est sauvé parce que c'est Mario cerveau. Mais m'attendez ça Dimitri Gardi non? Non, moi m'a parlé et non pour sauver pour sauver parce que Dimitri Gardi Mario Beauvoir volé ou quand elle prend lui même quoi blessé dans barbelé tout ça. Non. C'est ça m'attendez Mario Beauvoir quitter espace là depuis vers zone 5 6 heures après-midi et débarquement de la police a devine fait très tard dans la okay. Donc Mario Beauvoir pas voler quitter espace là parce que nous-mêmes et nous t'ai rencontré et monde qui était arrêté et yo t'ai dit nous depuis vers 6 heures yo pas wè Mario Beauvoir dans espace là jusqu'à ce que la police débarque. Mm-hmm. Qui donc le Dimitri era débarqué avec troupe li et Mario Beauvoir pas dans espace là. Et Léon Charles est là, le Dimitri a débarqué là? Non, il vient venir après. Mais ça vient arriver sous le Petit Bois. Le Dimitri a expliqué et Jovenel Moïse a un complot qui a monté contre lui pour un coup d'État. C'est ça qu'il a expliqué.
et il dit qu'il a contacté Jovenel Moïse. Ça passait 3 à 4 jours avant avant 6 février 2021. Et parce qu'on est venu 6-7 juillet 2021, et c'est ça que fait, et auprès de Datio et assemblé. Et Jovenel convoqué Léon Charles, il convoqué Dimitri Ra, il dit, il pose des questions, il demande, mais qui ça a passé? Et Dimitri Ra a expliqué, et président, mais ça a passé. Jovenel dit, mais Léon Charles. Moi, je me dis président Jovenel. Jovenel pas déjà président pour... Non, Jovenel était un monde qui était élu, la longue élection, li passé, c'était président Jovenel Moïse. Si vous me dites Jovenel, moi je dis comme ça, mais président Jovenel Moïse, il était, oui, il était président PIA, c'est lui-même qui a gagné l'élection. Mm-hmm. C'est lui qui était président. Mm-hmm. Okay. Et puis, Jovenel dit Léon Charles, ça a passé, ou pas de connaître, Léon Charles est tête en bas. Depuis sous petit bois, Jovenel Moïse est doué, écarté Léon Charles dans la police là. Mm-hmm. Léon Charles connaît Petit Bois jusqu'au cou. Maintenant, il dit que et c'est à partir de la Saline, un juge d'instruction qui était décerné au mandat pour arrêter Jovenel Moïse. Premièrement, je dis pour le public là, RNDDH pas porté le parti civil dans la Saline. Nous accompagnons les victimes et ces victimes qui ont déposé plainte. Et contrairement avec ça, moun ta pensé. Et peut-être moun yo pas suivre assez. Dans la Saline, te gen plusieurs rapports. Te gen pour pipiti 4 organisations de droit moun qui fait rapport. OPC fait rapport. Et FJKL fait rapport. CAD fait rapport. RNDDH fait rapport. La police judiciaire fait rapport. Et Haut Commissariat des Nations Unies pour droit moun fait rapport. Te gen et pour pipiti 5 rapports qui existaient. Dans la Saline. Mm-hmm. Et nous-mêmes, pendant tout mandat Jovenel Moïse, et sous le préfet de Dibou. Non, allez, okay. allez. Pendant tout mandat. Ça, c'est le naturel, il reviendra au galop quand même. Ok, pendant tout mandat président Jovenel Moïse, nous n'avons jamais déposé un dossier devant la justice, côté que nous avons porté, nous, comme parti civil, nous avons déposé plainte pour Jovenel Moïse. Ça, nous avons fait, comme organisation de l'Ouamoun. Et nous faisons sous tout pouvoir, quel que soit le pouvoir. Dérive qui t'a fait sous Jovenel Moïse, nous t'es campé en face des rives, nous t'avons dénoncé, et gangsterisation pays, banalisation et la vie monde, et gangsterisation pays, et on monte dans Léon Charles, il joue un rôle extrêmement important là-dedans, pas oublier, et Matissan a commencé 1er juillet 2021, et Léon Charles est directeur général de la police, les arts. Et deuxième raison. Attends. On dit que gangsterisation pays a commencé avec Léon Charles. Oui. Mais il dit un bagaille là tout dernièrement. Il dit où demandé pour arrêter barbecue. Mais justement. Ok. Mais justement. Mais il dit tout que pour ne pas demander pour arrêter il appli. M'a dit un bagaille. Nous-mêmes dans RNDDH, sous suivre ça nous fait dans rapport, dans dénoncer massacre, kidnapping, banalisation de la vie monde. Alliance gang avec autorité, puissance gang, nous dénoncer tout. Et ça capable arriver que nous avons discuté de et barbecue, Genève et Allier, nous dit le barbecue. Mais nous sommes capables de dire ça, nous sommes capables de dire qu'il a pris. Mais lui-même, ou bien ISO, mais lui-même, il a une bonne relation avec eux. Nous sommes le 12 mars 2021, 12-13 mars, les. Et la police a fait une intervention dans la ville de Dieu. Côté que les bandits dans la ville de Dieu ont eu une implication dans la gang dans la Grand Ravine. Ils ont tué plusieurs policiers. Et mais cadre policier, ça n'a pas jamais venu. Mais le directeur général de la police a quitté la laisse, Léon Charles, lui payé et ISO. 1 500 000 gouttes pour te récupérer blindé que bandit ont volé. Or, récupérer blindé a été plus important pour lui que cadavre policier au moins pour famille ont été capable de venir pour l'intérieur. L'ancien directeur général là, qui t'a parlé avec moi vendredi dernier, M. Cotan de Saldio, t'en dis un pile dans révélation que le dit. Il va faire révélation. Ou qu'a quitté m'balé, quand même. En tout cas, mais ça le dit. Il dit que
assassinat 7 juillet a commencé depuis rapport côté rédigé, rapport sur massacre qui était fait la Saline. Et c'est sous base rapport ça, qui était produit 1er décembre 2018, sous ça que passé la Saline, que juge Roger Noël Sius, après sorti mandat 18 février 2019 contre Jovenel Moïse comme chef d'État en fonction, malgré, si c'est pas ça, on va dire, si c'est pas ça, malgré doyen tribunal première instance, Port-au-Prince, M. Bernard Saint-Ville, te soumettre dossier à bail, un autre juge d'instruction qui c'est Chavan Etienne, depuis 4 janvier 2019. Qu'est-ce qu'on a dit, non? Bon, RNDDH, équipe RNDDH là, et puis moi-même, tout, Pierre Espérance, que Inquilpé a cité non, et comme quoi nous t'es fait mandat, nous prenons connaissance de mandat ça seulement pendant l'année 2022. Nous pas jamais au courant d'un juge d'instruction qui t'est décerné un mandat contre Jovenel Moïse en 2019. Nous pas connaît ça. Nous pas jamais connaît ça. Et m'a reprendre pour encore. RNDDH pas jamais porté le parti civil dans le dossier La Saline. Qui donc, et nous-mêmes tout dans RNDDH, nous n'avons aucune plainte que nous signons contre Jovenel Moïse, ça veut dire, contre, et ancien président Jovenel Moïse, ça veut dire que nous n'avons pas un dossier pendant devant la justice et contre Jovenel Moïse. Okay. Qui donc, et nous pas juge ça, et nous n'avons aucun rapport avec lui, nous pas qu'on est juge là, et nous prenons connaissance et mandat ça, c'est en 2022. Ça, c'est un. Deuxièmement, lui parler de. Oui, mon compte M. Beauvoir. C'est sous Sam Dabini. Hein? Ah, ok. Oui. Oh, oh, oh. Oui, 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 c'est sous Sam Dabini. Ok, donc vous dites que vous ne pouvez pas juger là. Oui. Vous ne pouvez pas juger là ni en peinture ni en peinture. Oui. Vous pas au courant de mandat que vous mettez contre le président Jovenel Moïse non plus. Nous n'avons pas connaissance de mandat ça en 2022. Nous n'avons pas de connaître avant ça. Oh, ok. Nous n'avons pas de connaître. Nous pas nous pas au courant si c'était un mandat 2000 et les nous pas entendre ce mandat ça nous dit mais moun ça son moun foukelier comment un juge capable décider de décerner un mandat contre un président en fonction qui sur qui base et de qui dossier qu'il a instruit parce que un juge pas qu'à saisir un dossier pour tête li n'importe citoyen qui n'importe citoyen un groupe victime qu'a saisi cabinet d'instruction oui, mais l'offre saisi cabinet d'instruction pour juge qu'on y a li commencer instruit et sous dossier ça ça veut dire commencer mener enquête li li fait pour communiquer dossier avec parquet a pour réquisitoire et si parquet a dit que pas gain lié pour poursuivre ou pas qu'à poursuivre donc ça son bagage pas même comprendre qu'on y là ou parler de mettre Mario Beauvoir oui Mario Beauvoir, commissaire, gouvernement, deux fois, dans le Croix des Bouquets. Et yon, si je ne me pas trop, c'est sous Joseph Michel Matéli. Et moi, je crois que le dossier qui était impliqué, yon conseiller et ancien président Matéli, qui c'est Calix Valentin, sous un incident qui était passé sous frontière, c'était Mario Beauvoir, si je ne me pas trop, qui était. Et commissaire gouvernement quoi des bouquets à l'époque ça et puis et moi quoi que les Jocelyn Privé vienne tourner président